Ça a boosté l'activité, c'est sûr. Les gens arrivaient de partout. C'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait la queue au restaurant. C'est quand même pas déplaisant pour un commerçant, hein, parce que c'est le but. Bon, et progressivement, et les gens ont déserté un peu la ville, c'est un peu dommage. Pour quelle raison? Bon, je sais pas. C'est un vrai lieu de vie. On y va avec les enfants, on s'installe, on prend le temps, on visite les coulisses. Alors le mot qui me vient quand je pense au Louvre, enfin c'est deux mots d'abord, c'est bonheur et plaisir. Le bonheur d'avoir à proximité une multitude, une palette de loisirs, je vais dire ça comme ça, et puis le plaisir devant tant de beauté, là aussi. Un cadeau et un miracle. Un cadeau parce que, non seulement parce que l'entrée est gratuite, c'est pas la question, mais parce que c'est très beau, parce que ça nous est offert et on peut en jouir, en profiter comme on veut, librement. La 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 shati we hanuku we hanuku. Le Louvre-Lens, c'est une partie de ma vie, c'est 12 ans de ma vie.